premier habitant de cette terre, adoubé dans son village, connu comme le sage, l'homme qui nous éclaire. Il élevait avec amour ses trois enfants, bras, jambes et ventre. Bras, le premier, avait toujours quelque chose à faire. Il s'affairait sans arrêt à avoir et à pouvoir, voire à avoir le pouvoir. C'était un très jeune homme d'affaires, incapable de se défaire de l'enfer du fer. Jambes, le deuxième, n'avait jamais le temps. Il se pressait sans arrêt à vouloir et à savoir, voire à vouloir tout savoir. Et il courait toujours après la montre pour la rattraper. Ventre, le troisième, était là, bien là, sans s'agiter. Et il passait son temps au bord de la rivière à tenter d'imiter avec son instrument de musique les sons de la nature. Trois enfants devenus grands annoncèrent à leur père que pour eux il était temps d'aller découvrir la terre. Adou écoutait ses enfants, bras, jambes et ventre. Il les écoutait lui parler, il leur dit: parole de père, mes chers fils, votre idée me réjouit. Voyager est la meilleure école de la vie. Et Adou regardait ses enfants, bras, jambes et ventre, prendre la route vers le monde. Bras s'installa dans son village dont il devint le chef. Jambes s'installa dans son village dont il devint le chef, et Ventre s'installa dans son village dont personne ne devint le chef. Des jours passent, des mois passent, des années passent. Adou, dans son village, sentait la fatigue. Ses os commençaient à chanter l'hymne de la vieillesse. Il décida alors d'aller retrouver ses enfants. Il savait qu'il devrait marcher des jours, des mois, voire des années pour retrouver ses enfants. Mais Adou quitta son village et il marcha, marcha, marcha. Il marcha pendant un mois, deux mois, trois mois. Puis il arriva au village de Bras, un grand centre d'affaires nommé Avoir le pouvoir, où chacun s'affairait tellement à se défaire de ce qu'il avait à faire qu'il n'en avait plus rien à faire. C'est là que Bras s'affaira et ne reconnut pas son père. Il ordonna qu'on le chassât, car il avait mieux à faire, à avoir le pouvoir. Et ce fut fait. Chassé du village de Bras, Adou ne dit rien. Et il continua sa route, car les sages ne sont pas pressés. Adou quitta le village de Bras et il marcha, marcha. Il marcha pendant un mois. Il arriva au village de Jambes, une grande piste de course nommée Vouloir tout savoir, où chacun était tellement pressé de courir plus vite que l'autre qu'il n'en avait rien à faire. C'est là que Bras et Jambes se pressa de ne pas reconnaître son père. Il ordonna de presser ses servants pressés, de le chasser à coups de bâton, car il avait mieux à faire à vouloir tout savoir. Et ce fut fait. Chassé du village de Jambes, Adou ne dit rien. Et il continua sa route, car les sages ne sont pas pressés. Adou quitta le village de Bras, de Jambes, et il arriva un mois, deux mois, trois mois plus tard au village de Ventre. Celui-ci l'accueillit avec les honneurs qu'il méritait et sans s'agiter, mobilisa son village trois jours et trois nuits pour organiser une grande fête en l'honneur de son père. Après son arrivée au village de Ventre, Adou demanda à Ventre de convoquer ses deux frères, car il souhaitait leur parler. Devant l'insistance de Ventre,
bras s'affaira à pouvoir venir, jambe se pressa à vouloir arriver. Et les trois frères se retrouvèrent devant leur père qui leur dit : mes chers enfants, quand vous étiez petits, je vous ai tout donné. Il y a des enfants qui savent rendre ce qu'on leur a donné, il y en a d'autres qui ne savent rien du tout. Ce que je viens de dire ici, c'est parole de père. Bras et jambes, peu importe ce que vous ferez dans la vie, vous ne dépasserez pas vent. Mes chers amis, jusqu'à ce jour, parole de père est juste. Car vous constaterez que matin, midi et soir, bras et jambes travaillent pour nourrir le vent. Merci. Du bruit pour Issa Kouyaté, s'il vous plaît.